C'est une triste réalité. Par contre, c'est une vérité. Une triste réalité de constater que des gens qui peuvent parler sur vous, qui peuvent souhaiter votre bien, ils peuvent vous mettre à l'école, ils peuvent vous éduquer, ils peuvent contribuer à votre croissance, mais ils n'ont pas ce cœur-là de croire que vous serez ce qu'ils pensaient dans leur cœur être. Les gens vous mettent à l'école, mais ils ne croient pas que vous allez réussir. Ils vous mettent à l'école, ils payent le prix, mais ils ont une idée arrêtée de là où vous allez vous arrêter. Ils ne croient pas que vous êtes capable d'être des gens ou des femmes qui vont avoir une grande renommée. Il y a des gens autour de vous. Malheureusement, il y a la famille aussi qui a ce même comportement. Si tu es dans cette salle, ne méprise pas tes enfants. Si tu es dans cette salle, ne te méprise pas toi-même. Si tu écoutes ce message, ne te sous-estime pas. Quel que soit le propos des gens, ne te sous-estime pas. Alléluia. Ne laisse jamais une situation te faire croire que tout est terminé. Mais la situation doit annoncer quelque chose de grand. Quand une personne a une grande vision, l'obstacle te permet d'aller plus haut. Car la vision, c'est celui-là même qui est capable d'aller plus loin que ce qu'il voit lui-même. Alléluia. Ce que tu vois là est ton regard physique. Mais dans la vision que tu as, ce n'est pas que tu as créé ça toi-même. Mais Dieu met en nous cette vision. Et quand ça vient de Dieu, ça dépasse ta vision. Alléluia. Ainsi, tu dois aller plus loin dans le but de glorifier Dieu et que tous ceux qui sont autour de toi puissent te reconnaître. Alléluia. Dans ce passage, il s'agit de notre maître Jésus qui fait des miracles. Il vient à peine de faire des miracles. Tout le monde parle de lui à l'extérieur. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Personne à l'extérieur ne dit ça, c'est le fils de Marie. Mais on dit plutôt fils de David. Quand Jésus va à l'extérieur, on dit oui, maître et rabbi. À l'extérieur, les paralytiques, les aveugles, il venait à peine de guérir cette femme qui avait la perte de sang qui l'a touchée. Et il allait guérir la fille de Jairus. C'est le même qui a dit Talita Kumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Elle a été ressuscitée. Et c'est de là qu'il a quitté. Il a décidé de s'orienter dans sa propre patrie. Il a tellement fait à l'extérieur qu'il dit, il est temps que je retourne dans ma propre patrie. Car ainsi, il y a des gens qui investissent dehors. On leur dit, mais jusqu'à quand tu vas faire pour les gens? Viens faire pour ta maison. Il y a des gens qui sont célèbres à l'extérieur. Leur célébrité à l'extérieur, reconnue à l'extérieur, mais inconnue dans leur propre patrie. La plupart des gens qui viennent aujourd'hui dans leur propre patrie et qui sont célèbres, ce n'est pas leur patrie qui les ont élevés, mais c'est les gens de l'extérieur qui ont reconnu leur talent. Parce qu'à l'intérieur, c'est les tueurs de talents, c'est les tueurs de rêves. Tu ne peux pas avoir un rêve, un grand rêve, t'asseoir parmi tes frères et croire que tes frères vont approuver ton rêve. Même si c'est un rêve qui est si grand, bénéfique pour tout le monde, aucun ne va s'asseoir pour dire « nourrissons encore ce rêve afin que cela puisse être réalité ». Le contraire, ils vont te tuer. Un homme appelé Joseph avait simplement un rêve. Il n'avait rien commencé, mais il a juste expliqué un seul rêve. Il s'est retrouvé quelque part. On a failli le tuer. Alléluia. Est-ce qu'il a mal fait de dire, expliquer? Non, il n'a pas mal fait. Parce que quand vous êtes dans une famille, même père, même mère, frère et soeur, quel que soit, vous n'avez pas peur d'expliquer aux autres parce que vous les aimez. Votre amour n'est pas double face. Vous êtes vrai, vous êtes réel. Pour d'autres, on peut penser que vous êtes, peut-être vous parlez trop, vous dites trop, mais c'est parce que vous les aimez que vous n'avez pas peur de vous confier en eux. Maintenant qu'ils interprètent ça comme ils veulent, mais personne ne pourra arrêter ce que Dieu a dit de toi. Ainsi, Jésus décide avec ses disciples de rentrer dans sa patrie. Il arrive dans sa patrie. Jésus arrive, il fait son entrée dans sa patrie. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le premier jour,
c'est-à-dire le jour du sabbat, Jésus décide d'entrer dans la synagogue. Comme il a pour habitude d'aller dans la synagogue, il allait dans toutes les synagogues pour enseigner. Les gens recevaient des miracles quand il enseignait. Les gens recevaient des guérisons quand il enseignait. Les gens étaient stupéfaits de son enseignement. Mais lorsqu'il arrive dans sa patrie, il commence à enseigner. Voici la première réaction des gens. Ce n'est pas, est-ce que... Ils étaient tous étonnés. Et aucun n'a dit félicitations. Enfin, il y a un serviteur de Dieu dans la famille. Enfin, il y a un homme qui va nous permettre de réussir. Enfin, il y a une star. Enfin, il y a quelque chose de bon dans notre famille. Enfin, il y a quelqu'un qui peut changer notre histoire. Nous sommes heureux de recevoir telle personne. Nous sommes du même sang. Nous avons grandi dans le même quartier. Et aujourd'hui, il est tellement célèbre que c'est une fierté pour nous. Mais quelle est leur réaction? Quelle est leur réaction? Ils disent quoi? D'où cela lui vient-il? Au fait, les gens vous méprisent, pas pour autre chose, mais par pure jalousie. D'où cela lui vient-il, lui, là? Il enlevait ça là où? Ce qu'elle a là, ça vient d'où? Sa connaissance. Aujourd'hui, on dit qu'il est pasteur. Son pasteur, elle a même quitté où? Elle chante à l'église. Chanter à l'église, elle même là, ça a commencé quand? Il va à l'église. Il est prophète. Son prophète, elle a même, ça a commencé quand? Et qui peut se permettre de dire ça? Ceux qui vous connaissent. Pourtant, ceux qui vous connaissent ne vous reconnaîtront jamais. On y va doucement. Et ils disent quoi encore? La deuxième question. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils? Par son intermédiaire. Ensuite, ils vont commencer à entrer dans son sang. Non seulement il méprise sa prédication, son message, il méprise sa façon d'être. Il méprise sa personnalité, tout ce qui l'entoure. Quand ils finissent de le mépriser, ils vont rentrer maintenant dans sa famille. Pour dire, n'est-il pas le charpentier 1 ? C'est-à-dire que ce que lui faisait ici comme travail dans le quartier, c'était le travail qu'on ne considérait même pas. On n'a même pas dit que non, c'était l'intellectuel du quartier. Pour dire qu'on croit que c'est parce qu'il allait loin à l'école, sa façon de s'exprimer, non, on ne doute pas. Mais du travail qu'il faisait avant et de sa position aujourd'hui, se tenir devant les gens, parler avec sagesse, ça vient d'où? Toi, comme ça, tu vas venir nous parler. Tu as enlevé ça où? Et il y a d'autres qui vont se dire, non, il a touché fétiche. Il a touché médicament. Ce n'est pas un médicament, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Le fils de Marie, ils vont présenter ta mère. Ils vont présenter le nom des familles. Ils vont bien localiser la famille. Le fils du monsieur, t'entends là? On le connaît ici. Son père, c'est un coureur de jupons. On connaît sa mère. Sa mère se bagarrait dans le quartier-ci. Elle était ivrogne. On connaît sa mère. Sa mère est comme si elle était prostituée. On connaît son père. Son père était sorcier. On connaît sa mère. Sa mère était sorcière. On connaît tout cela. Il mendiait dans le quartier. On connaît tout cela. C'était la plus pauvre du quartier. On connaît tout cela. Il n'arrivait même pas à jouer les deux bouts. On connaît leur famille. On connaît leur famille. On connaît Marie. La jeune fille Marie qui est tombée enceinte là. Tu la connais pas? Non, tu connais pas son histoire. Ah oui, j'ai entendu parler d'elle. La dame qui vendait au marché là, où tu vois là, il y avait le restaurant. Il y avait une dame qui s'asseyait devant la porte. Quand tu passais, tu dis, donne-moi 100 francs là. C'est son enfant. Les gens m'ont jamais présenté le bon côté. Il faut qu'on présente le mauvais côté pour vous dénigrer encore. Pour dire que ce que vous êtes aujourd'hui ne nous influence pas. Au lieu de profiter, ils essaieront de vous écraser par pure jalousie. Parce que là, ils n'ont pas contribué à votre élévation. Donc, ils ne vont pas contribuer à votre destruction aussi. Alléluia. Celui qui n'a pas commencé avec toi ne peut pas terminer avec toi.
Alléluia. C'est lui qui a commencé à toi connaître ta valeur. Parce qu'il peut commencer, demeurer et terminer. Alléluia. Et il y a les gens qui peuvent te prendre en cours parce qu'ils connaissent ta valeur. Et terminer aussi avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui t'a vu, t'a méprisé, il va continuer à te mépriser. Mais vers la fin, même s'il ne participe pas, il va s'asseoir de l'autre côté de la clôture. Dit ça là. Lui là, on ne touche pas. Le frère de Jacques, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous? On ne peut pas voir ces gens de personnes dans telle famille. Parce que la façon, il est intellectuel. Regarde ces soeurs qui se promènent dans le quartier. On les voit ici. Ces soeurs, elles vont acheter de l'eau. Des gens qui ont une grande célébrité, on regarde toujours leur famille pour savoir si c'est vraiment leur enfant. Il est milliardaire, il est footballeur international. Sa petite soeur se trouve dans un quartier en train de danser quelque part. Ce n'est pas sa petite soeur qui est là-bas. Là. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Pourquoi les gens veulent à tout prix comparer ce que Dieu veut faire avec vous, avec toute la famille? Vous sortez d'une famille, mais vous appartenez d'abord à Dieu. Dieu vous envoie sur la terre dans le but de faire sa volonté. Alléluia. Vous pouvez payer le prix dans vos études, par vos études. Vous pouvez payer le prix et réussir dans la vie sans que papa ni maman n'ajoutent un iota. Mais le jour de la gloire, c'est vos parents qui vont montrer du doigt. Si c'est eux aussi sont des sorciers, ils vont se bousculer pour vous éteindre, mais ils ne pourront pas. Car généralement, les gens qui meurent, les premiers qui ont la facilité, sinon qui ont l'intention et qui le font toujours, c'est les parents qui tuent leurs propres enfants. Lorsque l'enfant commence à aller très, 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 on commence à parler de son enfant, c'est la maman sorcière ou c'est le papa, c'est l'oncle, c'est la famille qui cherche à détruire. Mais tout sorcier, je dis, tout sorcier qui t'a localisé, et qui veut faire de toi le prochain gibier. Parce qu'il a vu que Dieu veut t'élever. Lui-même, il va faire quoi? Ah, moi, c'est toi-même qui va parler. Hein. Lui-même, il va faire quoi? Aïe. Il t'a dit, lui-même, son choukouya. Il est en train de se manger, il ne comprend pas. Le matin, il se lève comme ça, il n'a plus de corps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé hier. Il va dans l'écran, là. C'était lui-même qui tentait de se griller. Alléluia, ils vont être grillés eux-mêmes. C'est malheureux, mais c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Nous allons toujours le constater. Les gens qui sont censés vous aider, vous pouvez dans votre famille trouver un ministre. Dans votre propre famille, il peut y avoir un député. Dans votre propre famille, il peut y avoir un maire. En propre famille, il peut y avoir une autorité. Pendant que d'autres essaient de faire avancer leur famille, il y a d'autres dans la famille qui cherchent à tuer celui qui est devant. Pendant qu'ils cherchent à tirer la famille sortie de la galère, c'est la famille qui la tire pour le mettre en problème. Lorsqu'on trouve deux personnes dans un... il y avait deux jeunes. On leur a proposé... Celui qui réussit à sortir, prends-les. Il faut les deux. Lui dit, si je sors, c'est moi qui vais prendre. Il ne faut pas que lui... Si lui sort, non, non, non. Et même si on sort ensemble, je ne me vois pas en train de partager un milliard avec mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur son frère et il étrangle. Il finit de tuer son frère, il veut sortir. Qui va l'aider? Lui qui doit l'aider, là, il l'a tué. Ainsi, il y a des gens qui ont cette mentalité. Ne pas voir l'autre réussir. Quand l'autre est en train de réussir, ça ne l'arrange pas. Pourquoi on va le voir et moi, on ne va pas me voir? Si lui, on le voit plus que moi, on ne me voit pas, ce n'est pas bon.
Il faut que je l'élimine. Mais quand tu vas l'éliminer, les yeux là vont. Ce n'est pas tous les yeux qui vont t'aimer. Parce que la façon qu'il est, il y a les yeux que Dieu a programmés pour le regarder. Alléluia. Alléluia. Il est encore dans le trou. Et qui va descendre pour aller te chercher? Un milliard est en haut. Et puis il est encore dans le trou. Son frère est couché près de lui, est mort. Donc les deux sont dans la tombe. Il y a cette animosité entre les chrétiens, malheureusement. Entre les frères chrétiens. Il y a cette façon de mépriser l'autre. Dès l'instant où le frère vient à l'église, où la sœur vient à l'église, dans ses débuts, on ne la voit même pas, on ne la calcule pas. Mais son petit, doucement commence à servir, se donner à fond dans le Seigneur. Elle commence à monter à un certain niveau. Et que tout le monde est convaincu que ça, c'est Dieu qui est en train de l'élever à cause du fait qu'elle s'est disciplinée. Il y a un groupe de personnes qui vont dire, il veut se faire voir. Et la plupart de ceux qui disent, il veut se faire, ou elle veut, c'est les anciens. On la connaît ici. Quand elle est arrivée pour la première fois, elle avait les piercings. Ça te regarde. Les gens qui ont commencé à présenter Jésus, c'était dans le but de le dénigrer. Parce que dans la ville, ceux qui le connaissaient étaient les gens de sa maison. Mais c'est une grande ville. Il y a beaucoup de personnes qui étaient tous surpris. Mais un groupe de personnes se sont levées qui ont commencé à le dénigrer. On le connaît ici. Aucun n'a dit, ça c'est notre enfant. Nous sommes fiers, Jésus. Nous sommes fiers de toi. Nous allons voir tes parents pour dire merci à tes parents. Parce qu'à cause de toi, notre ville est reconnue. Et Jésus est étonné. La Bible dit qu'il s'étonnait de l'incrédulité. On demande, Seigneur, rends-nous riches. Et lorsque Dieu choisit un enfant de la famille pour l'élever, pour le rendre riche, c'est nous-mêmes qu'on cherche à le tuer. Rends-nous riches. Il commence à travailler. Il commence à travailler. Le lendemain, il faut nous donner l'argent. Il ne peut même pas économiser. Le juif dit, il ne peut pas. Il est méchant. Seigneur, il n'a qu'à mourir. L'homme est méchant. Oh Seigneur, donne-nous que mes enfants commencent à servir Dieu. Ok. Quand les enfants commencent à servir Dieu, tu es toujours à l'église. Tu es mal à l'église, d'ailleurs. Oh, pourtant, c'est toi qui disais, je préfère que mon enfant dorme même à l'église, même que de dormir dans les escaliers, avec ses amis, en train de rouler shit, en train de fumer, se promener à la gare du Nord Châtelet. C'est toi-même qui dis, si mes enfants même pouvaient servir Dieu. Quand tu commences à servir Dieu, c'est toi qui commences maintenant à te plaindre. Mes enfants sont toujours à l'église. Ils sont toujours à l'église. C'est quoi cette mentalité? Et Jésus dit, quand Jésus les a entendus parler, devant ses disciples, il dit, un vrai prophète. Souvent on se plaint, on se dit, non mais il est prophète et puis dans la famille on ne sent pas. Jésus est en train de dire, ton ministère prophétique ne sera jamais reconnu dans ta maison. Si tu attends que ta maison t'acclame, quand tu dis ainsi parle l'Éternel, tu mens. Si tu penses que ta famille va dire notre enfant là, c'est un vrai prophète, c'est faux. Si tu penses que c'est comme ça qu'ils vont accepter, jamais. Toi, tu es fier d'être le prophète de la maison. Tu es fier quand le Seigneur te révèle les choses pour dire à Dieu, effectivement, je suis béni parce que tu fais de moi la servante de la maison, la femme de prière de la maison, l'homme de feu de la maison, de toute la famille. Mais personne ne va te respecter, même si tu as l'onction même qui pèse le toit. Ils ne vont pas te respecter. Et oui. Si tu attends qu'il y ait un respect à cause de ton onction à la maison, tu as menti. Mets ta soutane prophétique.
Quand tu commences à arriver vers ta maison, dans ton quartier, ils vont commencer à rigoler. Prends ta soutane prophétique, va dans une autre ville. Tu vas voir les gens commencer à te respecter. Parce qu'ils savent, ils reconnaissent qui tu es. Ils vont te respecter. Malheureusement, c'est les gens de l'extérieur qui gagnent plus. Et d'autres personnes souvent se plaignent et se disent, mais lui, là, il est bien, mais pourquoi il n'aide pas ses parents? C'est les sorciers aussi. Il y en a qui sont méchants. Le monsieur, il a travaillé, bossé. Il a trouvé un endroit. Il dit, bon, je vais aider mes frères. Il prend ses propres frères et ses soeurs, venaient travailler. C'est eux qui volent, c'est eux qui ne respectent pas, c'est eux qui sont indisciplinés. Parce que c'est notre frère, donc on fait comme on veut. Malheureusement. Et il y en a qui de l'autre côté, non. Mais pourquoi tu ne veux pas aider ton frère? Tu es en Europe, non? Fais venir ton frère. Telle personne a fait venir son frère. Telle personne a fait venir sa soeur. Hein, toi, tu peux faire aussi. Et il y en a qui ne savent pas. Tu es le frère qui, si il vient ici. Depuis qu'il est petit, c'est un dangereux. Il n'a même pas encore changé. Le regard extérieur pousse certaines personnes à l'erreur. À cause de la pression des gens de l'extérieur, ils le font, faut pas, les gens vont dire que. Et ils commencent à payer le prix eux-mêmes. Il arrive aussi, le frère, il arrive à la maison, il est là, tu lui dis, mais Joe, tu sais que ici, il faut que tu bosses. Non. Bon, comme tu ne fais rien pour le moment, et les enfants ne vont pas à l'école aujourd'hui, tu vas rester avec les enfants. Qui? Eh, je ne suis pas venu garder l'enfant de quelqu'un ici, hein. Il rentre, on dit, bon, ici, il y a une heure où on dort. C'est une discipline de la maison. C'est le règlement intérieur de la maison. Petit frère ou grand frère ou tonton ou tata, ici, à partir de 22 heures, tout le monde au lit. On ne veut pas que les gens restent dehors. Jusqu'à ce que tu sois indépendant. Tu t'amènes vers 4 heures du matin. Tu sors. Bon, ici, on ne fume pas. Et quand ils ne sont pas là, tu fumes dans le salon. Et lorsque la personne dit, bon, trop c'est trop, il faut te chercher. On attend, il a chassé son frère. Il a chassé sa soeur. Ça c'est sur le bingo à la France. Mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que les gens se lèvent un matin comme ça et disent, sors de ma maison. Même si la personne, peut-être qu'il ne s'est pas maîtrisé dans la colère à chasser l'autre. Je ne veux pas te blâmer parce que tu l'as chassé, mais je viendrai te demander pardon. Mais je ne peux pas généraliser ou même faire passer la personne pour une victime. Tu peux pas, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça. Tu bosses, tu vas au travail, tu respectes les règlements de la maison, puis il va te dire, sors de ma maison. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Soit peut-être que le monsieur, il veut. Ça, c'est autre chose. Mais généralement, c'est le mauvais comportement. Alléluia. Mais pour vous, vous devez marquer une différence. Jésus a dit, personne n'est méprisé chez lui à la maison. Ce n'est pas pour cela que toi-même, tu vas te mépriser chez toi. Même si les gens ne te respectent pas dans ta patrie, toi, fais-toi respecter. Même si les gens ne te considèrent pas dans ta patrie, toi-même, faut te considérer. Alléluia. Jésus n'a pas dit, comme on me méprise, on me respecte, on ne croit pas en moi. Voilà, donc, je vais les insulter tous. Non, il était étonné, il a gardé son silence. Là où on n'a pas besoin de toi, il ne faut pas forcer. Alléluia. Même ta propre famille, s'ils n'ont pas besoin de toi, il ne faut pas forcer. Là où on a besoin de toi, tu seras valorisé. Là où on a besoin de toi, tu seras sécurisé. Je te dis la vérité. Quand quelqu'un a besoin de toi, là, il veille d'abord sur ta sécurité. Parce qu'il sait de quoi tu es capable et qu'est-ce que tu peux lui rapporter. C'est pourquoi je dis, et les gens dehors nous reconnaissent, mais les gens de l'intérieur, ils nous connaissent. Celui qui te connaît reste dans un regard juste. Mais par contre, celui qui te reconnaît, il voit juste et il voit de quoi tu es capable. Il te reconnaît. Il y a des gens qui vous reconnaissent. Même si on ne te connaît pas, mais il y a des gens qui te reconnaissent. Même si les gens te connaissent simplement, parce que tu as grandi dans le quartier. Ah, c'est l'enfant de telle personne. Ou mais on te connaît dans le quartier en tant que délinquant. On te connaît dans le quartier en tant que prostituée. Mais c'est le délinquant là qui est devenu ministre. Connu comme délinquant, mais reconnu comme ministre. Connu comme prostituée, mais reconnu comme femme mariée.
connu comme bandit, voleur, mais reconnu comme prophète. Connu comme prostituée, mais reconnu comme prophétesse. Connu comme qui? Dites-moi, connu comme qui? Voleur, mais reconnu comme? Alléluia. Tu as peur de Dieu ou bien? Connu comme Gaël, mais reconnu comme Gaël de foule. Alléluia. En Jésus, bien sûr. Ne laissez jamais les gens arrêter ce que Dieu a mis en vous. Jésus ne s'était pas assis pour pleurer, pour dire, bon, comme on ne me reconnaît pas, oh, ça l'a tristé. Parce que le salut même peut se retrouver dans votre maison et puis vous n'allez pas considérer. On s'est dit que le bonheur viendra d'ailleurs. Oh, pourtant, Dieu ne va jamais chercher un bonheur ailleurs. Il commence toujours dans ta maison. Pour sauver Israël, il n'a pas cherché un sauveur ailleurs, dans la maison. Oh, Dieu, il faut nous envoyer un homme de Dieu. Toi, tu te penses que c'est quelqu'un qui va descendre un avion. Il va descendre. Bonjour. Vous avez demandé homme de Dieu? Je suis là. Nous, on veut tout ce qui est prêt à porter. Oui, un pasteur prêt à porter. Ou un ministre, c'est quelqu'un de bien prêt à porter, mais dans ta famille, tu négliges ce que Dieu est en train de donner. La personne qui est près de toi, là, la personne que tu ne considères pas, là, ta prière que tu adresses à Dieu, c'est la personne là que Dieu a choisie pour exaucer ta prière. C'est pour cela la Bible nous dit que ne méprisez pas les faibles. Commencez-moi. Et Jésus dit, un prophète n'est méprisé, pas ailleurs. On dit, telle personne est un grand footballeur. Il est dans le quartier. Personne ne va le calculer. Grand footballeur, il joue, on dit, petit, on le voit courir dans le quartier, tous les joueurs ballon. Et je vois le joueur en Europe là-bas aussi. On se fout de toi, quoi. Souvent, on te donne les surnoms. Hé, hey, petit Diego. Tu penses que c'est parce que tu es fort, mais on se moque de toi. Hé, hey, Diego, la femme vient manger notre gratin de riz, hein. Le petit joue matin, midi, soir. Il joue souvent même nu-pied. Il se blesse les autres. Il dit, mais toi, tu as blessé, tu as joué où? Bon joueur, il ne blesse pas ses pieds. Et Dieu crée une ouverture. Le petit qui était dans le quartier. Les gens jouent, ils sont en maillot, ils courent comme ça. On voit les stars du quartier. Et tout, on ne te calcule pas. Même tes propres frères disent, oh, on va regarder le ballon qui est devant la télé là. Il regarde le match à la télé et toi tu viens t'asseoir. Quitte-la, quand on dit joueur là, quitte-la. Ah! Souvent même les enfants des voisins, ils ont un ballon comme ça, puis ils sont en entraînement. Lui là, il va réussir. Enfant des gens, il y a comment il s'en va. Ça c'est un grand joueur, ça c'est mon bon petit. Mais dans sa propre famille, même père, même mère, il ne le respecte même pas. Et lui là, nul. Il est au Mans seulement. Dans son propre quartier, on l'appelle le joueur maudit. Souvent, il y en a un surnom comme ça. Pendant que sa génération, on l'a choisi pour aller jouer même comité dans le quartier. Lui, on ne le choisit jamais. Et Dieu crée une ouverture. Ce petit-là, dans la relation de tonton, de tata, de cousin, et puis fou, petit à petit, petit transite par un petit village jusqu'à l'enfant, il arrive en Europe. Dans petit club du quartier, là, ils s'entraînent comme ça, quelqu'un les détecte. On dit, lui, il va jouer. Il monte. Un matin, on entend un nom à la télé. Dans Chelsea, bien quelque chose comme ça. Le nom, là, nous dit quelque chose. Les gens regardent comme ça. L'enfant, là, c'est pas le petit. C'est le saint, mais on dit non, mais ça c'est pas lui. Disait les gens ont le même nom. Parfois tu attends pour battre, tu penses c'est la même chose. Et puis les gens sont dans le quartier. Les propres parents même, j'ai appris qu'ils devaient jouer dans le commun. On va faire quoi? C'est les blancs. Les blancs ils sont comme ça. Disait les blancs ils aiment n'importe quoi. Hein. Les propres frères. Et ils vont regarder. Et tout d'un coup comme ça, après le petit fait un mat terrible. Quand il finit comme ça, on vient d'interviewer.
On s'interviewe en anglais. Puis le petit parle en anglais. Et puis on demande, vous êtes de quelle origine? Je suis de la Côte d'Ivoire. Et puis profite, je salue les gens de Kumasi, Porto Porto. Je salue les gens d'Abobo, derrière Rai. C'est-à-dire les quartiers qu'on ne valorise pas là. Je salue parce que c'est là-bas que j'ai commencé. Surtout Abobo, derrière Rai maintenant. Ouh, c'est les frères là. Ils vont, Jean. Oh, c'est rien ça. Ça, c'est nos petits frères, il n'y a rien. C'est vous qui criez, oh, mais pour nous, il n'y a rien. Effectivement, c'est les gens du quartier qui reconnaissent sa valeur. Mais les gens de la maison. Et puis le petit arrive, méprisé. Méprisé. Connu de ses parents, mais reconnu à l'extérieur. Dans le quartier, on ne connaissait pas son talent. Mais regarde ce que Dieu fait. Dans le quartier, ses brigands prenaient pour voir son visage. Mais la dernière fois, c'est soleil Dieu a mis sur lui. Oh, on t'a cherché dans les briquets pour voir si c'est vraiment toi. Aujourd'hui, Dieu a fait un soleil sur toi. On est obligé de te voir. Et Dieu fait tellement de choses qu'aucun aveugle ne peut passer sans avoir les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'à cause de toi, Dieu ouvre les yeux des aveugles pour te voir. Oh, je parle de qui même? Même si on t'a méprisé, qu'il te méprise, qu'il te rejette, mais il y a une catégorie de personnes que Dieu a positionnées pour toi. Ils vont te valoriser. Ils connaissent ta valeur. Ne te méprise pas parce que ton père dit que tu es nul à l'école. Ne te méprise pas parce que ta mère a dit que tu es nul à l'école. Ne te méprise pas parce que même ton grand frère t'a donné le cocotard. Ne te méprise pas même si on t'a frappé étant petit. Parce que les gens qui doivent reconnaître ta valeur ne sont pas dans la maison. Ils sont à l'extérieur. Et c'est ta famille. Ils sont là seulement pour l'affection. Mais pour ton élévation, ça ne commence pas à la maison. Ça commence dehors. Car le fruit qui sort de l'âme n'est jamais au niveau de la racine, il est en hauteur. Alléluia. Dieu te place comme l'arbre. On verra tes fruits. Et c'est beaucoup de personnes, même les gens même qui ont les manguiers chez eux, ils peuvent pas manger tous les fruits là. Ça tombe, bah, ils s'en foutent. Ils disent non, c'est ombre là seulement qui nous intéresse. Sinon, fruits là, on s'en fout. C'est juste le nom là, c'est moi. On sait que c'est notre frère. Mais c'est qu'est-ce que tu apportes dans la joie que tu apportes aux gens qui te regardent en train de jouer au foot. Tes parents n'aiment pas cette joie. Et Dieu fait de toi une source de bénédiction. Jésus était étonné. Et ça va t'arriver toi aussi d'être étonné. Et il y a beaucoup de personnes encore qui sont encore étonnées. Et qui se disent, non, mes parents ne m'aiment pas. Non, ils ne t'aiment pas comme Dieu veut. Ils ne vont jamais t'aimer comme tu t'attends à cela. Ils viendront prendre ce qui est de toi, parce que Dieu a fait de toi l'arbre de la maison. Par contre, ceux qui vont t'admirer, ils vont sniffer ton parfum, c'est les gens de l'extérieur. Ils ont besoin de toi. Et Jésus ne s'est pas arrêté là, il a continué. On dit qu'il y a quelques personnes qui ont reçu les guérisons, il y a quelques personnes. Donc dans ton quartier, même si on te méprise, il y a quelques personnes qui connaissent ta valeur. Tu as quelques supporters quand même. C'est quelqu'un là, c'est beaucoup. Mais ne t'arrête pas si tes parents ne te considèrent pas. Tu peux faire 10 réunions. On va organiser une réunion en famille. Ils vont te dire, oh, lui, il avait dit quand même. Mais sors. Va trouver les gens de ton quartier, des amis. Tu dis, bon, il y a une réunion, on va se. Ils vont tous se lever, se mobiliser. La preuve, même dans les funérailles, tes propres parents même, ils ne viennent jamais. Mais c'est les amis aux alentours là qui viennent. Alléluia. Alléluia. Les vrais amis, ils sont à l'extérieur. Et quand ils viennent pour toi. Et ton ami fidèle, lui, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne laissez jamais les gens vous mépriser. Ne laissez jamais une situation vous faire croire que vous avez tout échoué. On a besoin de toi quelque part. On a besoin de qui quelque part? Jésus a besoin de toi. Même si ta famille, ils ne reconnaissent pas l'effort que tu fournis, l'Église a besoin de toi. Même si dans l'Église, certaines personnes ne connaissent pas ta valeur, le Saint-Esprit a besoin de toi. Alléluia. Il va t'utiliser pour aller partout annoncer les oracles de Dieu, annoncer le retour du Messie. Alléluia. Mais moi, j'ai besoin de toi ici. Je reconnais ta valeur, mais ne méprise pas ta valeur. Alléluia.
On a besoin de toi ici. Jésus a besoin de toi à l'église. Pas pour t'asseoir, mais pour servir. Alléluia. Tu es là pour servir, pas pour être servi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Il y a des gens qui... Non. Dieu est en train de me faire comprendre qu'il y a des gens qui ont été méprisés dans leur propre patrie. Ils ont été méprisés dans leur propre maison, par leur propre famille. Ils ne t'ont pas valorisé. Ils ne t'ont pas donné la valeur. Avec l'effort que tu as fourni, tu as donné au maximum, rien que pour la famille, tellement tu aimes ta famille, aucun n'a reconnu l'effort que tu as fourni. Et tu te dis, mais je vais faire quoi encore? Tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté, tout est posé sur tes épaules. Et tu as accepté, mais aucun ne s'est levé pour te soutenir, pour dire, nous sommes avec toi, même pour reconnaître, pour dire, toi, tu es une source de bénédiction pour la famille. Aucun. Le jour où quelqu'un te fait des éloges, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. Le jour où quelqu'un te dit, oh, tu es mon grand frère, tu es ma petite soeur, tu es ma grande soeur, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. Il arrive à te faire des éloges et puis il t'appelle une fois, deux fois, quatre fois. Il t'appelle. Non, c'est peut-être ton bonjour. Mais il y a quelque chose qui l'intéresse. Dès qu'il est en possession de cela, même pour te rappeler, pour te dire merci, c'est accompli. Que? Mais ne t'en fais pas. Ce que tu fais, c'est parce qu'on te connaît. Mais c'est les gens qui te reconnaissent qui vont faire pour toi. Quand tu sais pour qui tu fais, là, ils te connaissent seulement. Mais ceux qui te reconnaissent, c'est eux qui feront pour toi. Je parle à quelqu'un. Dans peu de temps, Dieu va te récompenser. Dieu va choisir, il va tirer même un corbeau pour te donner quelque chose. Si l'homme te ferme une porte, si tes parents t'ont fermé une porte, si tes amis proches t'ont fermé une porte, si quelqu'un, parce que tu manges dans sa main, tu as fermé une porte. Il a bien fait. Sur le coup, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais ce n'est pas parce qu'il a fermé la porte qu'il a fermé tes portes. Il a fermé la porte, mais il n'a pas fermé les portes. Tu n'as pas compris. Quelqu'un peut te fermer sa porte. Il peut te fermer sa fenêtre. Il peut te fermer son portail. Il peut te fermer sa maison. Mais il ne peut pas te fermer toutes les portes. Il ne peut pas te fermer tous les portails. Il ne peut pas te fermer toutes les maisons. Quand tu es conscient que ta bénédiction ne dépend pas que d'une seule personne, tu es tranquille. Parce que celui qui va, s'il veut qu'il soit manchot, Dieu va faire pousser sa main. Et puis il va te donner. Le corbeau, jamais Élie s'est procédé pour dire, Seigneur, envoie-moi un corbeau. Mais le corbeau, dans sa promenade, Dieu lui a dit, tu dois nourrir quelqu'un. Le corbeau va dans la cour royale. Pendant que c'est la misère, c'est chaud, il sait où va aller prendre la nourriture pour quelqu'un. Débrouille-toi, mais donne à manger à mon serviteur. Donc le corbeau sort, il va josser pour nourrir un homme de Dieu. Il y a des gens qui vont travailler pour te nourrir aussi. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Personne ne doit te mépriser et toi-même ne te méprises pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tais-toi debout. Acclame la parole, tais-toi debout. Tu vas parler à Dieu. Dans ce message, tu t'es certainement retrouvé. Tu es découragé. Tu es attristé. Tu t'es certainement juré à l'intérieur de ne plus jamais faire quoi que ce soit pour quelqu'un. Tu as dit, ma famille, la porte s'est fermée. Mes parents, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Tu as certainement raison. Mais ce n'est pas une raison. Regarde simplement à Dieu. Si tu as entendu ce message, c'est parce que Dieu est sur le point de te positionner encore. Il va te rendre encore plus que ce que tu as et ce que tu es. À une condition que tu te laisses guider que par lui seul. Alors tu vas dire au Seigneur de te donner la force de continuer.
à ne plus regarder le rejet des autres, mais à regarder combien de fois lui, il t'a accepté. La Bible dit dans Jean 1, verset 11, que même de sa propre famille, il est venu parmi les siens, et les siens l'ont refusé. Donc Jésus est arrivé parmi ses frères. Ses frères l'ont refusé. Donc toi-même aussi, on peut te refuser, on peut refouler, ne pas croire en toi. Ce n'est pas grave. Mais la Bible précise qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont reconnu, ils l'ont accepté, leur nom, identité ont changé. Et tous ceux qui vont te reconnaître, quelque chose de nouveau va se produire parce que Dieu a mis en toi une semence qui vient de lui. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas dire au Seigneur de te donner la force de continuer à persévérer. Même si on te rejette, de continuer à croire, à persévérer, continuer à marcher, continuer à évoluer, à le servir. Les découragements, les pressions, ceux sur qui tu comptais pour commencer, pour avoir de quoi, pour travailler, pour t'ouvrir les portes, t'en tourner le dos. Ne te décourage pas. La Bible dit, puis quelqu'un qui a l'espérance va te dire calme-toi un peu. Assois-toi, je vais t'expliquer. Devant un père, on garde le silence. Tu as dit, tu es sérieux.